dans cette musique, tu sais très bien qu'aujourd'hui, il va falloir que j'enfile ma cagoule de prankeur. Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Bio Jumper, j'espère que vous avez bien écouté. Moi, c'est Twinkle, comme d'habitude. Aujourd'hui, les gens, on se retrouve une fois de plus pour une nouvelle vidéo, bien sûr, sur Scary Teacher 3D, avec bien entendu notre prof. Elle a une de ses têtes en pétard. Tu me diras, c'est pas loin justement de la fois dernière, hein, je vous rappelle. On est toujours dans le chapitre 1 où on avait effectivement... on avait un petit peu changé son style de coiffure, n'est-ce pas? Elle avait d'ailleurs même plus de cheveux d'ailleurs. C'était littéralement Monsieur Propre. Et aujourd'hui, les gens, on continue pour essayer de pranker, de piéger Miss T. Hein, voilà, donc je vous rappelle notre prof hein, qui est à la retraite. Voilà, elle est bien contente. Elle nous a pourri la vie hein, quand on était en cours. Et bien, les gens, on va continuer d'ailleurs. Merci énormément pour tout retour parce que vous kiffez totalement cette aventure justement sur Scary Teacher 3D qui est clairement un Hello Neighbor hein. C'est vraiment la sœur, la femme, j'en sais rien, bah bref. Et d'ailleurs on dirait vraiment le frère du voisin lui pour le coup, la fin le... Oui non pas le cerf là, le lutin je parle bien sûr. Du coup on est parti aujourd'hui les gens pour terminer le chapitre 1 et on en était justement... Ah oui il y avait l'araignée c'est vrai. Petite pensée à tous les arachnophobes la fois dernière, on en était avec le Transat. Ok bah écoutez, let's go. Oh! Donc il va falloir trouver le moyen. Ah oui, d'accord. Donc elle veut se poser tranquillement, hein, bien sûr, au bord de sa piscine. Bah écoutez, on va un petit peu fourrer ses petites vacances personnelles, n'est-ce pas? Ah! C'est ça, regardez, elle va se mettre dans sa chaise longue là, avec sa piscine là, de 300 mètres carrés. Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord, elle fait des échauffements. Allez, c'est parti, attention! Motivation, motivation! Allez, vas-y là, c'est parti! On va faire les squats! Ok, alors je vous rappelle qu'on peut trouver pas mal d'objets, tout comme un Hello Neighbor, hein, qu'on peut les utiliser tout comme un Hello Neighbor, et qu'on peut aussi également, bien sûr, se faire piéger comme Hello Neighbor. Et d'ailleurs, merci beaucoup les gens pour toutes vos astuces. Justement, c'est la dernière vidéo, il y a pas mal d'entre vous qui m'ont dit qu'il était possible de récupérer les pièges de notre prof, donc de Miss T. Alors, bon, oui, c'est vrai qu'on a toujours l'histoire de pile en haut à droite, ok, rien à signaler là. Bon, allez pour le moment dans son jardin. De faire de l'échauffement. Alors, je vous rappelle qu'on a toujours le drone, ce truc complètement pété hein, qui nous permet bien sûr de voir ce que fait la prof. Il faut qu'on trouve une scie. Ah oui c'est vrai, la clé rouge qu'on peut pas récup. Ouais c'était vraiment une fourbe. Alors ok, là on a quoi ici? Ah oui c'est vrai, on avait l'espèce de garage. Par contre il y a un temps d'attente. Bah tiens on va pouvoir tester les pièges. Wow, est-ce que je peux le prendre? Oh yes, yeah, c'est vraiment bon. Oh excellent. Alors on a... Oh, mais il y a plein de trucs ici. On a du... Alors du carburant, très bien. On a un marteau. Oh bah tiens. Nickel. Ok, maintenant il va falloir couper la chaise. Mais attends, mais c'est génial. Je vais venir dans le bâtiment à chaque fois, dans l'atelier. Bon. On rappelle que le but à chaque fois, c'est de pranker notre prof. Elle est ça. Et son hôtel, son manoir. Enfin là, c'est même plus une maison. Là, c'est... Mais regardez la taille des arbres. Ils sont tellement petits à côté. On dirait d'ailleurs les arbres de Animal Crossing. Bon. Alors pour l'instant, elle est toujours... Là-haut, c'est bien. Alors là... Oui, non, je ne veux pas l'astuce. Donc c'est celle-là, sa chaise. Hop, on va scier ça. Allez, allez. Voilà, nickel, c'est pété. Je peux pas en faire une autre. Le mieux, c'est... Ah, mais le truc... C'est peut-être le bon moment d'aller profiter du soleil, de la piscine, au niveau de la piscine. Ok, on va rester là. Je crois qu'elle descend. Je crois qu'elle va à la piscine. Attends, il fallait peut-être que je prenne... Elle arrive. Elle arrive. Planquez-vous! Je vais m'accroupir. Je serai plus discret. Ok. Non, 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 j'ai peut-être oublié de récupérer un truc! Oh! Attention! C'est le moment ou jamais d'utiliser les pièges! Oh, le passage, c'est un fantôme! Et pose-le, pose-le. Oh non! Quoi? Elle est passée en travers! T'en tombes pas, frère! Oh la vache, oh la vache, oh la vache! Attention! Je suis en la grille. C'était pas moi! Sors de chez moi! Imbécile! Oula, oula, sympa les textures en mode. C'est moche, hein, c'est moche, mais bon. Bon. Nya! Elle m'a entendu, elle m'a entendu, elle m'a entendu! Oh, hey, les yeux sur la face! Hey, oh. Oh, à tous les coups, j'avais pas dû couper la bonne. Comment dire, les bons pieds du Transat, parce que clairement j'avais toujours marqué la même chose du coup. Alors attendez, on va essayer autre chose. Donc c'était pas celui-là. Ok, bon, écoutez, on va faire. Oh, t'es celui à côté de la table. Parce que logiquement, elle pourrait y poser des trucs genre un livre ou ses lunettes ou je sais pas quoi là, comme on avait avec la fois dernière avec l'araignée. Alors attends, on va utiliser ça. Allez, coupe, coupe,
courez avant qu'elle arrive, Misté. Ok, ça roule. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est ça. Alors là, cette fois-ci, je ne me montre même pas, les gens. Même pas la peine. Voilà, c'est bon, on va se poser là. On va attendre. Je veux entendre sa rage. J'espère que c'était ça, s'il te plaît. Dis-moi que c'est pas un troll. Oui, parce qu'elle aussi, elle nous prend, hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me planter et que ce soit pas la bonne pièce où il fallait poser le truc. Oh, j'ai vu le pot de moutarde. Ok, elle arrive. Elle arrive. Tu crois que si je saute, on me verra dans la... Ouais, mais non, elle va me voir, elle va me crier. Elle va me crier de ouf. Si je saute, elle va me crier de ouf. Ok, elle y va. Elle s'assoit. Oh. Oh. Alors, je suis tombé. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce transat? Et c'est la victoire! Yes! Alors je vous rappelle que la thune qu'on gagne à chaque fin de truc, ça nous permet tout simplement d'acheter directement les objets. Donc c'est un peu pété quand même. Ok, alors c'est quoi l'objectif? Apparemment, donc c'est une histoire avec sa cheminée. Oh! J'ai tellement froid! Qu'est-ce qui se passe avec ce chauffage? Heureusement que j'ai la cheminée! Eh ben on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de cheminée, hein! Pas une canette qui traîne aujourd'hui, non? Est-ce que j'ai du courrier? Est-ce que j'ai reçu ma PS5? Non, j'ai pas reçu ma PS5. Bon, très bien. Faut trouver quelque chose pour éteindre le feu de la cheminée. On a rien. Alors, clairement, le garage, par contre, c'est vraiment ouf. Hein. C'est vraiment abusé. On a rien là-dedans? Non, toujours rien dans les poubelles. Je me demande à chaque fois s'il y a des trucs qui arrivent, mais. Oh, le petit barbecue! Ce jeu est vraiment génial. Je vous rappelle qu'il est gratuit. Oh, une canette! Voilà, sinon je peux plus jouer au jeu en fait. Voilà! Hop, on la boit, yes! Énergie! Tu penses qu'il y a moyen qu'avec ça, ça enflamme la maison? Ah, bah c'est ça! Excellent! Ok, bah écoute, on va aller. J'ai pris ça au pif! Je pensais que genre il fallait l'arroser, tu vois, ou un truc comme ça. Bon, elle a l'air d'être à l'étage. À force, je connais la maison, attends. Ah, elle a déjà réparé son transat. Allez, on l'a pauleté. On l'a pauleté. La fille, elle a pas mis de piège, non, c'est bon. Ah non, le rez-de-chaussée! Là, elle est en train de monter. Elle a posé un piège à l'entrée. Non mais elle se fout de moi. Elle revient déjà. Elle revient déjà. Oh oh. Elle arrive. Vite. Si je m'accroupis, elle me verra pas y aller. Ah. La fenêtre. Wouh! Sortez de chez moi! Oh la vache, heureusement qu'il y avait la fenêtre. Hein. Oh là là, Misté, elle s'est améliorée là! Je me demande si à force de jouer, elle est pas plus forte. Ça serait logique. Hein. Ok, toujours au rez-de-chaussée. Pas à savoir où elle va. Ah, je l'ai vu! Regardez, je la vois là-bas. Ok, c'est bon, on est passé dans la pièce. On va en profiter tout de suite. J'ai grillé. Et on dit ça. Yes! Wow! Mais non! C'était pas bon! Ah bah tiens, une cruche d'eau. Oh là là, mais non! Je me suis... C'était assez explosif comme prank, non? Oh bah écoutez, j'en vais réessayer. Oh, elle a refermé la porte, tu crois pas. Est-ce qu'on... Oh, il y a moyen de passer par les vitres. Regardez. Si je passe là, comme ça. Voilà, nickel. Et là... Attendez. On va ouvrir la vitre. Oh, elle est dans la cuisine. Allez, saute. Yes. Ok. Allez, passe dehors. Oh, la transition. Qu'on a... Oh, J'ai vu une carafe d'eau. Et je l'ai vu là. Je viens de voir. Donc là, normalement, ça veut dire que... Ok, c'est bon. On va s'accroupir. On va y aller au calme, tout doucement. C'est ça, allez, barre-toi. Yes. Non, parce que là, c'était trop explosif, là, la fin. Ok. Attends. Oh, j'ai trouvé ce qu'on va faire. En fait, on va tout simplement, vous allez voir, on va éteindre la cheminée. J'espère que c'est ça. On éteint la cheminée. Voilà. Ok, nickel. Et là, on y met du carburant. Oh yes! Oh, ça va être explosif! C'est étrange. J'ai l'impression que ma cheminée s'est éteinte. Oh, tu aurais une sacrée surprise. Oula, doucement. J'y vais tout doucement. Je me vois pas. Est-ce qu'on me voit derrière ou pas? On me voit pas, ok. Oh là là. Oh, ça va t'exploser, tu vas voir ce que j'ai vécu tout à l'heure. Oh la vache, je veux pas rater ça. Attention. Oh, mais elle est carrément en feu.
J'en fais. Oh, la violence. C'est peut-être un peu violent et dangereux comme prank là, non? Ok, bon. C'est le moment d'aller ruiner sa petite pause baignoire. Encore? Eh oh, décidément. Bon, moi, ses cheveux ont repoussé très vite, hein. Je sais pas ce qu'il utilise comme notion, mais... Ok, comme le... mais écoute, elle a l'air de... Ok, elle retourne dans la baignoire, ça roule. Faudra encore faire en sorte que... Ok, très bien, bon, bah, je... Find the gel. Attends, c'est quoi du gelo? C'est un produit chimique, c'est ça? Non, parce que bon, on a bien été foutu de, de la mettre en feu tout à l'heure, donc bon, ça m'étonnerait même pas, hein, tu vois. Bon, alors, on va aller... Oh, j'ai vu quelque chose. La clé verte. Ah ah! Voilà, parce que tout à l'heure j'ai vu qu'elle avait verrouillé maintenant les portes. Parce qu'elle peut verrouiller les portes, hein, au fil du temps. Alors, est-ce que ça c'est pas un truc qui serait encore une fois plus dans le garage, un produit comme ça? Ou alors dans la salle de bain? Je suis à terre. C'est bon. Alors, on a quoi ici? On a des ciseaux. C'est bon, ça le carburant, on a plus ça. Le piège! Ça, j'ai envie de tenter ça. J'ai envie de le faire. Ok. Bon, même si tout à l'heure elle est complètement passée à travers, hein. Ah, c'est ça, bye bye, t'as raison. Non, non, j'ai pas besoin d'astuces. Oh, c'est vrai, il y a un sauna. Je peux y aller? Sympa. Bon, y'a rien dedans. Donc maintenant, là... Ah bah, elle a déverrouillé la porte. Oh bah tiens, un autre piège. C'est bon quoi? Attends, est-ce qu'elle va venir dans la cuisine ou pas? Oh, j'ai une idée. Ça l'a jeté où? Attends, je vais le jeter là. Voilà. Elle va venir. Eh, tu viens me chercher, grand-mère? Oh, elle s'est pris le piège. Et ouais, c'est ça que c'est bon. Ah oui, vous êtes... Non mais c'est ouf. Ça stoppe totalement, en fait, le fait qu'elle essaie de nous poursuivre. Genre, elle est en mode je vais venir, tu vas venir à garde-moi. Ah, oh, le pied est là, après. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est vraiment ça, quoi. Bon, alors, Jello. C'est que ça c'est quoi, ça? C'est la moutarde. Bien. J'imagine que... Non, ça, c'est du sel. Un truc dans les placards, vous pensez? Peut-être à l'étage. Ça serait quand même fou que ça soit un truc que t'es deux fois dans la cuisine. Sauce tomate. Ah, peut-être ça, voir. Non, ça a pas l'air d'être ça. Ça, c'est du vinaigre. Ok, du vinaigre. Il y a tellement de placards. Oh, wow. Ah, du jelly. C'est presque comme jello, non? Oh, bah, c'est ça. J'ai cru... Mais il y avait un Y dessus. Ok, l'ajouter directement. Bathtub. Elle va me défoncer. Je suis mort. Bah ouais, je suis... Je cours. Oh! J'ai tellement de chance! Oh là là, c'est quoi ça avec la porte? Le coin de porte! Pire chose au monde avec les coins de table. Putain. Ajouter dans la baignoire. La porte. Oui. Yes! Ça me fait... couvre avec quelque chose. Ouais, ça. Peut-être ça, non? Yes! Oh yes! On va mettre un peu de mousse. Oh là 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 là! Allez là, allez! Elle va aller dans la baignoire! Elle va y aller, L'avoir dans... L'envie d'avoir envie! Le mec, il est en train de jouer de la musique, tu sais. Ok, bon, mine de rien, ça... Oh, une canette! Ça lui a pas... Ça ne l'a pas tiré tant que ça, tu vois. Donc, c'est pas bon ici. Bon, très bien. Bon! Niveau énergie, on est pas bon. Bon, j'ai toujours la petite bouteille de ketchup là, Heinz. Finalement, c'est pas du tout la même. C'est une moutarde que j'ai dans les mains et là, c'est le ketchup. C'est pas la même, hein. Ce jeu est la moutarde en vrai. Très bien. On va jouer un petit saut de batterie. On peut ou pas? On peut pas. Ok. Ok, donc là, les gens, elle va aller dans la baignoire. On l'a, en fait, on a mis un espèce de produit, je sais pas quoi, un truc de recette de gelée là. Et on a mis de la mousse par-dessus pour pas qu'elle voit qu'on la prank. Ah, elle va aller dedans, oui. Regardez, vous avez vu les petites bulles violettes? Ah ah! On va le rentrer dans la baignoire, on dirait qu'elle rentre dans une voiture. Non! Yes, mais attends, elle est rentrée totalement habillée! What? Jello? Oh, c'est de la gelée! C'est du slime! Oh, énorme! Ça s'est transformé en slime! Excellent! Oh là là, mais c'est ouf! C'est ouf! Oh, on va aller dans le sauna! C'est ça que c'est bon! C'est une bonne journée pour aller dans le sauna aujourd'hui, n'est-ce pas? Regardez, elle va y aller, c'est sûr. Alors, les étirements, hein, la base, hein, bien sûr. Attention, plie les genoux. Ok, trois moyens, alors, d'aller dans le sauna. Ah, elle l'a fermé cette fois-ci.
Alors j'imagine que c'est avec l'échelle qu'on a vu tout à l'heure. Oula, elle faisait tellement d'exercices qu'elle m'a fait bugger le jeu, tu vois. J'imagine que ouais, c'est ça en fait. Il va falloir aller directement. Hop là. Dans. Ça je prends. Mais en fait, il y a trop de trucs dans le garage. Le piège à loup à absolument prendre. Le passage au garage est obligatoire. Oh! Excellent! On peut prendre l'échelle, je savais même pas les gens! Elle est pas dans la piscine, elle est dans la cuisine. Oh! Mais c'est génial! Je peux la poser comme je veux? Attention, il y avait déjà une échelle dans le jeu. Ah ouais, c'est ça, regardez! Mais c'est excellent! Non, non, repose-la, elle était bien, regarde. Nya! Ah, la tâche! Oh, la canette! Ah, c'est pour la canette. Ok. Je voudrais aller dans le sauna, tout doucement. Comment je... Il faut peut-être le péter après. Ah! Ok, attendez. Peut-être moyen... Avec une bombe. Je crois que c'est ça, il fallait une bombe. Ok, bon. Alors. Au final, c'était ouvert. Tout ça pour rien, hein. Je vais réussir où aller. Alors, clairement, une bombe. Oh, ça, tu vas me... Non, non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Ça, tu vas me le donner. Parce qu'elle aurait pu mettre une bombe. Non, mais en même temps, qui prend une bombe dans chez soi, tu vois. Donc ça, je le pose là. Peut-être à l'étage. Ou alors on se... Ah! J'ai eu tellement peur, les gens! Alors, je suis désolé, j'imagine que vous aussi, mais... Je m'attendais pas à ce qu'elle soit derrière la porte! C'est horrible! 16 jours plus tard, rempli de paranoïa. Ah, mais là, c'est abusé, elle m'a fait la peur de ma vie, quoi! C'est un truc de ouf! C'est un truc de ouf! Ok, bon! Parce qu'elle est là. Elle est en train de s'entraîner au bord de la piscine. Ça je prends. Alors, on va essayer d'aller voir. Oh le petit gâteau. On va aller voir direct. Ah bah attends, la cave. Parce que c'est vrai que la cave c'était plutôt pas mal. Tiens, je vais mettre derrière moi le petit piège. Voilà. Oh bah là, il est bien placé. Alors là, ce qu'on a. Donc là, on a quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, la fameuse photo. On peut fouiller ça? Oh, si je dois tout fouiller, mais laisse tomber. J'ai pas fini. Oh, je t'ai pas venu ici. Ah bah en même temps je peux comprendre pourquoi on peut pas y accéder. Là on a un petit coffre fort, ok. Oh, une grenade. Ah bah c'est ça, c'est une bombe. C'est une grenade à fumigène. Ok. Bon. Alors. Parce que là l'ironie du sort c'est qu'elle ne va pas à la cave. Oh, elle va dans le sauna je crois. Ah bah non, elle va dans la cuisine. Ok, bon, elle va dans la cuisine. Ouh la fourbe. On va enlever ça. Maintenant que vous m'avez appris à faire ça, les gens, je le fais tout le temps. Oui, parce que l'ironie, c'est que je ne peux plus aller au niveau de l'entrée de la cave parce que j'ai eu le piège. Après, tu me diras, je peux récupérer le. Oh. Attends. Eh, mais. Elle va dans le sauna. Ah, mais elle va me voir de ouf là. Ah, il y a sa tête qui avait disparu. On va peut-être grimper là. Ça va me voir. Elle m'a pas vu. Oh. On va jeter ça là, dans le doute. Je sais pas où il a disparu. Et attends, ça veut dire que... Oh, elle est dans le sauna. Dans le sauna au calme. Oh, attention, ça va gazer. Yes. Oh là là, on a foiré totalement son sauna. C'est ça que c'est bon, l'ami. C'est ça que c'est bon. Quoi? Non, mais attends, mais j'ai... Ah, d'accord, oui, ok, je viens de comprendre. Il fallait fermer la porte, c'est ça. Mais j'ai pas vu de loquet sur la porte. Alors, les amis, je veux bien faire quelque chose avec le sauna, mais Alors, les personnes âgées, c'est grave au bout d'un moment. Là, il faut consulter, madame, là, parce que. Elle est totalement coincée contre l'évier alors que je viens de récupérer la grenade. Mais non. C'est la fumigène, bah voilà. Super. Et du coup, mais comment je vais rouiller ça? Non, c'est un loquet, ça? Ça a l'air d'être. Et ça c'est quoi ce truc là? Oh, ça a l'air d'être un loquet. Oh oui, ça c'est un loquet. Oh, j'ai le seum. Mais attends, mais du coup elle est kéblo. Oula, faudrait pas que je me bloque dedans. Mais il va falloir que j'aille la chercher en fait. Super. C'est fermé. Madame. Oh. Elle est buggée. J'y crois pas. Elle est buggée. Je vais devoir aller chercher Misté. Je dois risquer ma vie pour qu'elle puisse venir dans le sauna. Non mais tu te moques de moi là, là c'est une blague. C'est un piège de sa part. Oh bah attends, il y a une clé verte là, attends, est-ce que je peux la prendre ou pas? C'est pas une vraie? Oh bah si, c'est une vraie.
Peut-être que ça va la débloquer. Elle est en train de se dire, mais je ne peux pas sortir. La seule porte qui mène directement à la piscine, elle est verrouillée par une porte verte. Enfin, par une serrure verte. On va prendre ça, hein, qu'on va se mettre les pieds dedans. C'est bon ? Ok. Bon, bah ça, au moins, c'est déverrouillé. Maintenant, non, mais je dois aller la prendre par la main pour aller la mettre dans la prank. Pour aller la pranker, quoi, c'est n'importe quoi ! Non, mais j'ai même pas envie d'ouvrir cette porte. Parce que je sais ce qu'il y a derrière. Je le sais très bien. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Madame, oh ! Oh, oh. Attends, elle est vraiment bloquée ? Ah, non, elle est pas bloquée ! Elle est pas bloquée ! Oh, ah, je suis là. C'est bon, allez. Oh là 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 là, ce que j'ai pas dû faire. Ce que j'ai pas dû faire. Mais j'y crois pas. Mais j'y crois pas. On va peut-être enlever ça. Pas lui rendre la tâche plus difficile que ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ça y est, elle descend. Ça y est, enfin. Enfin, elle se dit, bon, je vais peut-être, hein, aller au sauna. On va pas prendre ça, parce que dans le doute, je vais l'acheter, je le sens venir. Tu vois, je sens le fail. Ok, bon, on va attendre, hein. Oh là là, avec une autre, on dirait elle a. Elle a plongé la tête dans un sac de farine avec sa tête toute blanche là. Ok, bon. Alors là, elle me voit pas. Allez, allez, rue-toi. J'aurais testé voir si c'est bien alloqué. Bon, au moins on est à l'échelle, c'est déjà ça. Ils auraient pu nous l'enlever quand même, hein. Ok. Allez, vas-y, va dedans. Allez. Ouais, c'est bon. Ok. On va y aller tout doucement. Mais je suis tellement bien là-dedans. Bon, écoute. Genre, elle me voit pas là. Oh, c'était ça. Elle me voit pas, d'accord. Bon, bah au moins, elle est coincée. Là, on va la gazer, c'est pas un peu violent. Bon, tu me diras si, vu comment elle nous a fait poireauter. Hop, ça mérite bien ça. Voilà. Mais c'est quoi cette odeur? Faut que je sorte les boyettes, sorte. Elle voit pas la grenade à côté d'elle, tu sais, normal. Faut que je sorte de là. Au secours. Au secours. Aidez-moi. Ah bah voilà, bah bah... Ah bah voilà, bah là je crois que... Mystique, oh yes. Oh, elle l'a mérité là, là, la poule, voilà. Elle l'a mérité, yes. Oh, alors apparemment, Mystique est impatiente de recevoir... Oh quoi, un petit colis, c'est ça? Une parcelle, hein? Mais qu'est-ce que... Where is my Halloween dress? C'est moi, où est-ce qu'elle est ma tenue d'Halloween? Ça fait deux jours que je l'attends et que je l'ai commandée, enfin ça, souvenez-vous. Oh la vache. Oh, le mec il a pas le temps. Cette livraison express. Ok, find behind. Oh, il faut trouver une ruche. Ah ouais, il faut carrément maintenant trouver une... Ok, une ruche. Une ruche d'abeille. Alors attention, elles peuvent piquer. Ok, une ruche. Genre une ruche artificielle ou une vraie de vraie? Alors attention, elles peuvent piquer. Ah, ça veut dire qu'il faut des gants. Les gants. Je crois qu'on les a vus à l'étage. J'ai l'impression que les objets changent pas tout le temps de place. C'est uniquement les pièges. Attends, faut que je vérifie où aller quand même. Ça, je peux pas l'ouvrir, d'accord. La lampe torche, on s'en fout. Il me semble que c'était par là que j'avais eu. C'est un pétard. Bon, ça peut toujours servir pour attirer les abeilles. Ah non, c'est un cutter, ok. Ok, là, y'a quoi? Un piège. Ça, je prends. Comme ça, au moins, ça libère la zone en cas de besoin. On peut pas ouvrir le tiroir. Très bien, on s'en fout. Je crois que c'était ici. Je crois qu'elle est pas loin. Non, c'est bon. Arrête, je sais. Est-ce qu'il y a des gants qui traînent là? Ok, de la glu, ok. Ouais, c'est un petit cutter. Allez, où est-ce qu'ils sont les gars? On s'en fout, c'est la baignoire. Elle est dans la salle de sport. Elle est dans la salle de sport. Ok, oh la canette. Ça je prends, voilà. Ok, il me faut les gants. Tête au sous-sol. Est-ce que vous connaissez Veo Jumper l'aveugle? Voilà, bah vous avez fait connaissance avec lui. En fait, c'est juste là les gants. Je suis passé totalement à côté sans avoir. Ok, donc maintenant faut trouver les abeilles. Bon, bah écoutez, on va aller dehors. Très bien. Bon, la statue me bloque. On peut la pousser? Non, ok. De toute façon, on va éviter de perdre énormément d'énergie. On va passer par l'échelle. Et on va aller fouiller justement la zone. Peut-être que dans le jardin. Ok, on fait l'entraînement sportif. C'est bien. Faut s'entretenir, vous avez raison, faut avoir la forme. Okay. Ah oui, c'est vrai que je peux prendre l'échelle. Excellent ça. Alors. Alors ce qui est bien c'est que je peux toujours voir, et ça fait bouclier, tu sais. Peut-être là. Non, ok, je regarde les arbres en même temps, hein. Pas l'air d'avoir de ruche ou quoi que ce soit. Oh. Oh, c'est là. Ok, je pose. Oh, bien joué. Merci. Voilà, ok, très bien. Maintenant, placé sur son cadeau. Ok.
Très bien, très bien. Sur son cadeau, mais son cadeau il est où? Elle arrive à l'entrée, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Est-ce qu'il est son cadeau aussi? Mais il est où son cadeau? Je peux grimper par là ou pas? Peut-être moyen, ouais. Attendez, on va essayer par là, parce que à mon avis elle a verrouillé le... tout ce qui est... Elle a sûrement dû... ouais, elle est dehors, nice. Elle a dû sûrement verrouiller tout ce qui était au niveau de... de l'extérieur, au niveau de la cuisine et tout. Il y a... oh, le cadeau! Oh bah attends, faut trouver quelque chose pour couper le carton! Excellent! Ok. Ah. Ah, faut avoir l'impression que le cadeau a pas été utilisé. Oh non! J'ai pas de scotch ou de colle! Ah, tous les coups c'est ça! Mais en même temps, ils abusent, ils te le disent qu'après! Pas un truc pour scotcher! Vite, 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 vite! Na! Na! Peut-être dans le garage, le garage! Il y a toujours un truc dans le garage! Je garage vite! Oh, c'est mort! C'est mort, c'est mort, c'est mort! Du scotch! Na! Na! Na, touche pas à ça! C'est pas ton cadeau, c'est le mien! Na, il y a une bombe dedans! Na, faut pas! Na! Oh, c'est pas bon! Pourquoi ce cadeau est ouvert? T'essayes de me prendre! C'est raté! Oh là là! Mais elle est de plus en plus fourbe! Ok, j'en sais bon, j'ai trouvé justement le scotch! En fait, il était dans le bureau, mais en même temps, je pouvais pas savoir! Ok, et d'ailleurs, vous allez voir, j'ai retrouvé une autre ruche! Que vous cherchez? Et en fait, si vous prenez. Voilà, avec la force de mes gros bras! Une autre échelle! Et ben, vous pouvez poser ça là, et regardez, on peut carrément aller tout en haut! Mais c'est pas ouf ça! Vous inquiétez pas, j'avais les gants! On est tout en haut de son truc! Oh! Insane, viens me chercher ici, cocotte! Jamais, quoi. Par contre, oula, oulala, oulala. Bon, faut que je puisse rentrer maintenant. Hein. On va aller directement. Alors, on va aller par là. Ok, bon, j'ai le cutter, j'ai le scotch, j'ai les ruches. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Une bombe? Sans, je peux pas avoir plus de 4 objets, donc. Imagine, chapitre 7. Faut que tu transportes comme ça, tu les déposes en même temps. 8 objets. T'sais. Allez, allez, dépêche-toi! C'est pour payer 2 secondes dehors, ça sert à rien! Ok. Hein? On dirait vraiment les gants du voisin de le neighbor, hein. C'est vraiment ouf, hein. Oh bah tiens, j'ai eu une canette grâce au glitch. Ils font passer les trucs en mode invisible. Non, mais sous-moi. Ah, reviens dans le salon! Non, mais attends! Mais me troll! Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai! Bah non, la cave, c'est ça! La cave, c'est bien, la cave! Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va retourner dehors. Elle va retourner dehors, bailler. Ok. Oh, elle monte! La blague! La grosse blague. Elle est en train de monter. Oh, je m'en fous, je saute par là. Oh! Et elle redescend. Non mais non mais non. Non mais non. Non. Elle aussi elle a un drone. Je vois que ça. Je vois que ça. Attends, viens vers moi là. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? J'en étais sûr. Je m'en doutais. Oh là 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 là, c'est la pire. Elle a un radar. Elle a un radar. Casse-toi, c'est ça, casse-toi! Yes! Yes! Oui! Elle s'est enfin posée, la vieille! Misté! Ok, on va couper ça. On coupe. Voilà. On prend la ruche. On met la ruche. On met le scotch. Voilà! Yes! Elle arrive! Ça y est! Mais où est-ce qu'il est, la tenue d'Halloween? Où est-elle? Oh, c'est mort, je me mets dans le coin. On va fonctionner avec le drone, là. Oh là là! Il me restait une barre d'énergie, les gens! Allez, c'est bon. Elle va l'ouvrir. Allez! Allez, ouvre-la! Je peux te dire que c'est un cadeau qui va te piquer. Ok, attention! C'est l'ouverture! Ah! Ma tenue! Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'elle a dedans, là? Non, c'est pas ça, ça c'est les outils. Non, ça c'est une bouteille. Ah! Une chaîne des abeilles! Non! Non, sale bête! J'aurais plutôt dit des guêpes, hein, clairement, vu l'attaque. Oh là là, la tête qui est là! Yes! Et les amis, on a fini avec le chapitre 1! Énorme! Énorme, regardez. Voilà, ça y est, on a tout fait. Ah là là! Énorme, Rain the Parcel. Excellent! Et là, on voit bien les petites images. Et du coup, la prochaine fois, ça sera
le... bah écoutez, on pourra faire... Non, le vous savez quoi? On fera le chapitre 2. Et du coup, regardez les amis, le chapitre 2, Love Heifer. Regardez. Oh là là, le petit spoil en avance. Oh, l'attaque du rat. Oh, la compétition musicale et tout. Oh, il y a tellement de trucs. Ah bah non, il y en a que 5, ok. Oh là là, c'est ouf. Je pense qu'on le fera en un épisode. Écoutez, à partir de maintenant, vu que maintenant, je suis si entraîné en tant que prankeur pro. Hein, voilà, donc on a 5 missions à faire. Ok, donc c'est également... d'accord, la super glue. Oh, ça va être violent, avec les concombres. La carte bleue. Oh, le vol de carte bleue. Et on va ruiner... Écoutez, son petit dîner aux chandelles. Et ben, ça sera pour le chapitre 2. La fois prochaine, mais écoutez, j'en suis sûr, en tout cas, que cette nouvelle vidéo sur Scary Teacher 3 vous extrêmement plus. Si c'est le cas, qu'on l'a utilisé, les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous abonnez à la chaîne, partagez la vidéo et la chaîne. Je vous remercie grandement, les amis, c'était le Jumper. Et je vous dis, oui, il faut regarder une pub, donc non, c'est bon. Et je vous dis du coup, à très bientôt. Ciao, les amis.